Les gars, il y a des artistes, hein. Si tu les vois sur un projet, il faut savoir en même temps que c'est gâté, quoi. Ah oui, c'est vraiment gâté. Ah oui, quand on prend le cas de Piwi et puis Diff Price, par exemple, les deux là sur un même projet, genre, c'est de la folie, c'est un truc. Genre, je ne sais même plus comment les qualifier, les projets que sortent ces gars-là. Piwi et puis Diff Price. En tout cas, je suis encore là pour cet épisode de Obeliki Réaction. Vous avez compris en même temps que je suis là pour le tout nouveau projet de Piwi et de Diff Price. Le titre même te met KO quoi. Ouin ouin. L'odeur quoi. L'odeur. Ouin ouin. Ouin ouin. Et dans ce cas-ci, on ne parle pas d'une bonne odeur, hein, d'une odeur nauséabonde, une odeur qui ne plaît à personne. Ouin ouin. C'est gâté. Puis oui, Diff Price, ouin ouin, je crois que voilà, je suis déjà là. Donc regardez, écoutons le son. Ouin ouin, moi. Let's go. Ouin ouin. Ouin ouin, puis oui, et puis Diff Price. Let's go, let's go. Oh, tu as le beat girl. Qui a fait ce beat là? Eh oui. Tan, 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 tan. Et puis me voilà longtemps. Et puis me voilà longtemps. Mais vous voyez un peu ce que je vous disais, non? Sur ces deux gars là, écoutez tout d'abord le titre de la chanson du projet et puis regardez le début du refrain. Et puis me voilà longtemps. Tu as un cul qui sent mal. Ok, let's go. Et Hayomi dit là, ce programme Yawawe Yawa. Et ce sont des sons comme ça qu'on veut aller concurrencer les autres artistes de la série du Togo avec. Ce sont des sons comme ça. C'est gâté. On dirait que la concurrence là. Eh ha! Kawa Yawa! Connerie de. Et puis oui, et puis Diff Price. Soyez un peu sérieux un jour là. Hein? Soyez sérieux un jour là. Hein? Donc, vous voulez que, voilà, si on nous dit que, voilà, puis oui, et Diff Price sont sortis un son et tout ça là, on pense déjà à des bêtises. On pense déjà. Comme on m'a déjà parlé, parce qu'on sait que le son va être des foutaises. Hey! Mais en tout cas, le beat est bien. En tout cas, on va écouter les punchlines, les flows dessus. On va voir ce que ça va donner. Let's go. Hey, moi, c'est rap avec des buts. Et voilà, Dané Kouné, on l'a ton cachiné. Et on a bisé, donc à nous, Dané Kouné, on l'a son cachiné. Oh, oh, puis oui, tu vas jamais changer. Écoutez, Boutovion, les deux à Koufouton, il n'y a pas échec. Il a rimé échec. Koudo échec. Écoutez, écoutez. Échec. Rip, pire, le vale que va.
ne trouve pas de baise. Hey, vous n'êtes pas sérieux, hein? Mieux ne pas qu'on baise. Ouais, non, tenir baba, nana baise. Nous sommes carrés, nous sommes là, non baise. Non, s'il vous plaît, si tu n'as pas 18 ans là, n'écoute pas, ne regarde pas cet épisode de Obélix Réaction. Parce que tu as explicit content. Explicit content. Contenu explicite. Let's go. Il sait que la petite n'est pas une sainte, donc alors de Kala no Godeme, de Kala le Sento, Sento. Ouais, ceux qui ont compris là, Sento. Oh, God. Ok, avançons. Oula, Sento. Elle a un peu de ventre, mais il sait qu'elle n'est pas enceinte. Sainte, Sento, enceinte. Ok. Sento. Regardez, vous écoutez D-Flies, non? Ah, mais. Qui se souvient du son qu'on a transformé comme ça? Je me souviens que c'est un son de Estrad Musica, non? Dans le refrain, où nous les Togolais, surtout, c'est comme ça, nous on chantait les refrains. Hein? Voilà. Mais franchement, je ne connais pas le texte, je ne connais pas comment ça se chante en vrai. Mais je sais très bien que ce que nous chantons comme refrain, c'était pas la bonne version. Et c'était pas la bonne version. En tout cas, regardez les gars, les stalos là l'ont ramené dans ce son-là. Hein? Bibiti, mais nous l'a kaélo. Bibiti, mais nous l'a kaélo. J'espère que ça veut dire ce que ça veut dire. Bibiti, mais nous l'a kaélo. Est-ce que ça veut dire quelque chose d'autre à part le vrai sens? Si c'est le cas, hein? Dites-moi ça dans les commentaires, quoi. Let's go. C'est quel refrain ça? Hein? C'est quel? Écoutez. Et puis me voilà dans le temps. Oui, blago. Mais moi les tirons. Et puis me voilà dans le temps. Oui, blago. Et puis me voilà dans le temps. Oh, ouais. Ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Oh, ouais. Hey. Oh, ouais. Oh, ouais. C'est un bon beat, hein? Ah, c'est un bon beat, mais le test, le fond du son même, c'est du n'importe quoi, quoi. Yeah! Oh, ouais. 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 Écoutez, G-Flash là. L'homme qui peut faire l'amour sans toucher les poils. Ça va beaucoup la vidéo, écoutez. Ici c'est Mama Bende, l'homme qui peut faire l'amour sans toucher les poils. Sur le mec qui caille Bende, ne coupe plus, mais enflammer la toile. Ça fait dans la tête, ne me bidja mi, on a tenté. A quoi je vois, on va Écoutez. Agboibon ou bon le tenté. Donc vous tentez aussi le bout de ça là maintenant quoi. Vous tentez le bout. Lève Rosemé produit au Missirana et me tente à l'eau les gars. Écoutez, j'aime le flow de G-Flash. Hein. Ouais, le flow là, j'écris bien le flow, mais ce qu'il est en train de raconter avec là, c'est du n'importe quoi. Vrai n'importe quoi, écoutez.
Hey, si vous mangez là, ne mangez pas, rangez le plat là en attendant. Parce que ce qu'ils sont en train de raconter dans ce son là, oh, il décale Godévi et quoi, pète blanche pour les cahiers. Oh, les gars. Oh, puis oui, D-Flies, oh, quand même. Écoutez. Calé, on est possible, bébé calé. Qu'on devient vous décalé. Une popette blanche pour dans les cahiers. Elle me dit de pas parler, mais ma dame doit tourner à tailler. Eh ben, Marie doit grammer, que vous serez en vain vous décalé. En vain. Les gars, non. Hey, je ne peux plus continuer pas expliquer mot par mot ce qu'ils sont en train de raconter là. Si vous ne comprenez pas, si vous ne captez pas là, c'est bon, hein, c'est bon. C'est pas aussi nécessaire que ça. Hein, laissez ça comme ça. Regardez. Non, écoutez. Deviens mon décalé, une popette blanche coup dans les cahiers. Elle me dit de pas parler, mais ma dame doit tourner à tailler. Eh ben, Marie doit grammer, que mon c'est renvoi mon décalé. Avec de bons flows. Eh, hey, reconnaissons-le. Ces deux-là, ils sont talentueux, super talentueux. Ils ont de très bons flows. Hein. Puis oui, avec d'habitude, comme d'habitude, les rimes par-ci par-là avec D-Flies. Quand il a commencé son couplet, vous avez écouté le flow? Vous avez écouté son flow? Et les rimes, hein, jeu de mots qui... Mais regardez le fond même, ce qu'ils sont en train de raconter. Le fond même, le texte. Du grand n'importe quoi. Eh les gars, les trucs médicaux, changez un jour là, les gars. Oh, en tout cas, voilà ce que moi je pensais. Moi je pense, en tout cas, les autres là, mesdames et messieurs, dites-moi aussi de votre côté, comment est-ce que vous trouvez le son là? Dites ça dans les commentaires. Puis oui, D-Flies, le titre de la chanson c'est Ronron. Hein? Mauvaise odeur, Ronron. Nous qui voulons aller arracher Grammy Awards, nous qui voulons ramener au Togo aussi BET Awards, nous qui voulons concurrencer les artistes de l'extérieur. Et voilà les sons que nos artistes sont en train de faire. On va aller où avec ça? Les gars, changez un peu. Oh, les gars, dites-moi dans les commentaires tout ce que vous aussi vous pensez de ce son-là. Et retrouvez dans la description de cette vidéo le lien vers le son officiel qui est sorti. Donc allez écouter aussi un non-stop sans interruption, sans commentaire sur la chaîne YouTube, voilà, de l'artiste. Le nom Jules A.K. Young Joss ici nous ramène à la fin de cet épisode de Obélique Réaction. On se donne rendez-vous au prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Salut.